Eh bien, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde, bonsoir Ivan. Bonsoir Muriel, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à tous pour cette jolie soirée, cette jolie conférence dans laquelle Ivan va nous parler de cette transition vers la cinquième dimension, vers ce monde de cinquième dimension, et comment justement mieux aborder cette transition, comment mieux la vivre, qu'est-ce que ça veut dire exactement, qu'est-ce qui est en jeu derrière tout ça. Écoutez les amis, je vois que vous êtes déjà très nombreux à être là dans le chat, c'est super. Est-ce que vous pouvez juste dans le chat me dire si vous nous voyez, si vous nous entendez bien, si tout va bien d'un point de vue technique? Et puis pendant que vous nous faites ce petit retour, eh bien Ivan, est-ce que tu peux te présenter à tous nos nombreux et sympathiques auditeurs de ce soir, s'il te plaît? Mais oui, ça me fait très plaisir de vous voir aussi nombreux. Je vous remercie beaucoup d'être là. Alors, qui je suis? Je suis Ivan Skibik, guérisseur. Hein, c'est avant tout la chose qui me définit, guérisseur, conférencier. Qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par ma mission. En fait, j'ai toujours un peu du mal à me mettre dans des cases. J'essaie de le faire quand même. Alors, qu'est-ce que ma mission? Ma mission, c'est d'aider les personnes à évoluer en conscience, c'est-à-dire à monter de quelques échelons sur leur cheminement d'éveil spirituel, à monter un peu plus vite, à monter un peu plus facilement. Et pour ça, je fais deux choses. Donc, j'utilise mes dons de guérison. Donc, je fais des soins énergétiques, hein, pour aider les personnes à se libérer de fardeaux qui les empêchent d'avancer. Et puis, je fais également des partages, donc des enseignements sur tout ce qui touche à l'éveil spirituel et la santé holistique et ce type de sujet. Je suis pas arrivé là naturellement. En fait, c'était assez. Si vous m'aviez vu il y a 3 ans, j'étais pas du tout dans ce type de choses. Il y a 3 ans encore, pour moi, les personnes qui font ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes qui parlent de soins énergétiques ou de choses comme ça, pour moi, c'était des charlatans, c'était des gens trop bizarres. J'ai un parcours tout à fait classique et très rationnel où je suis allé à l'école, j'étais bon en maths. Alors après, j'ai fait une école d'ingénieur et puis après, j'ai fait d'autres études dans le business. Et finalement, j'ai fait 10 ans d'expérience professionnelle enfin, j'ai fait principalement du marketing et de la stratégie pour le compte de groupe et puis après pour le compte pour mon propre compte en montant une start-up avec un associé. Et après, c'est un gros burn-out qui m'a fait complètement changer. Qui m'a fait prendre conscience que ce que je faisais, que je n'étais pas du tout aligné avec ce que je faisais. Et donc, de ce burn-out est né un nouvel Ivan, enfin, qui s'est intéressé beaucoup plus à tout ce qui est énergie, soins énergétiques. Je sentais vraiment que j'étais appelé par ça. Et puis, par tous les sujets spirituels, j'ai également vécu des choses un peu plus tôt dans ma vie qui m'ont fait prendre conscience j'ai vécu des expériences fortes. Des expériences intérieures fortes, particulièrement deux dans ma vie, qui ont aussi été que j'ai comprises. Enfin, ces choses, je les ai comprises à travers mon burn-out. Et donc, du coup, depuis 2 ans à peu près, je partage sur l'éveil spirituel, j'aide les personnes à monter en conscience et je fais des soins énergétiques. Donc. Génial. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, non, donc voilà ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est bon, du passage à la 5D, hein, donc c'est une dimension nouvelle, une dimension énergétique supérieure dans laquelle on évolue tous, on traverse une phase de grosse évolution. La Terre elle-même est en train d'évoluer énergétiquement, et toutes les personnes sont en train d'évoluer. Et donc en fait, il y a deux possibilités là-dedans, c'est qu'on doit évoluer avec. Hein, donc c'est soit on surfe sur la vague et on monte en vibration, on accompagne ce changement que je vais détailler un peu plus tard. Soit on n'y arrive pas et là, c'est dommage parce qu'on risque beaucoup plus de souffrir et de ne pas se sentir bien et heureux tout simplement, ce à quoi on aspire tous. Donc je vais parler de ce changement, de cette transition énergétique qu'on est en train de vivre. Des risques qu'elle peut avoir, surtout de comment on peut gérer ça. Et puis aussi, je vous proposerai un petit peu plus tard, à la fin de la conférence, je vous proposerai de vivre un soin énergétique que je vais faire en direct. Alors honnêtement, je ne sais pas du tout ce qui va se passer pendant ce soin énergétique. Je le saurai peut-être 5 minutes avant de le faire, ou peut-être 5 minutes après avoir commencé, enfin, ou au moment de commencer. Mais en tout cas, voilà, ce sera quelque chose qui sera vraiment sur le moment, qui sera juste, qui sera adapté au moment. Super. Eh bien, écoute, Ivan, on est tout ouïe, on est avec toi et on a hâte d'entendre toutes tes explications et puis effectivement de pratiquer ce soin tout à l'heure. Et puis effectivement,
On vous donnera encore envie de continuer à travailler avec Ivan après. On a une petite bonne nouvelle aussi pour vous, mais à la fin de la conférence. Donc Ivan, voilà, nous sommes tout à toi. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que on puisse y répondre, qu'on puisse y répondre en direct. Voilà. Voilà, surtout n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir d'échanger en live plutôt que de garder les questions pour la fin. Donc n'hésitez pas à les poser à la volée. C'est alors, ça. Voilà. Donc en fait, cette transition. Alors comme je l'ai dit, on vit et comme vous le savez sans doute, vous êtes sensibilisé à ce sujet, mais je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. On parle du passage de la 3D de la 3D à la 5D. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est le passage du monde dans lequel on vivait ou dans le monde dans lequel on a grandi jusqu'à présent. C'est-à-dire un fréquent. C'est vraiment le monde de la matière. Un monde dans lequel on vit principalement, soit on vit dans le passé, on rumine des choses du passé, soit on a peur de choses futures qui vont arriver. C'est un monde qui est beaucoup dans la dualité, dans la comparaison, la dualité bien mal. Alors on fait soit ces choses, soit il y a des choses qui sont bien, soit il y a des choses qui sont mal. On rejette des choses, on en accepte d'autres. On est dans l'inconscience de son propre pouvoir créateur. Donc ça, c'est vraiment un petit peu ce qui définit l'ancien monde, j'ai envie de l'appeler comme ça, mais c'est le monde classique pour la plupart des personnes sur cette planète. Donc c'est le monde, voilà, le monde très matériel, sans conscience, j'ai envie de dire, ou sans conscience évoluée. On est tous des êtres divins. On est tous des êtres d'origine divine. En fait, on n'est pas apparu comme ça sans qu'il y ait rien avant. On va pas mourir comme ça et devenir poussière et ensuite il y aura plus rien. On est bien plus que ça. Vous le savez tous. Sinon, je pense que vous ne seriez pas là. Mais on est des êtres divins. Et on est venu s'incarner dans la matière pour vivre des expériences. En fait, pour la plupart des personnes sur cette planète, on est des êtres matériels et parfois on peut avoir des lucidités, on peut vivre des expériences spirituelles. En fait, c'est exactement l'inverse. On est des êtres spirituels par nature, par essence, et on vient s'incarner dans la matière pour vivre des expériences et pour vivre en fait notre spiritualité à travers. Enfin, pour vivre notre essence, hein, je ne vais pas dire notre spiritualité, enfin, pour vivre tout simplement, vivre des expériences qu'on a choisi de vivre dans au niveau de notre âme, et on vient les vivre dans la matière. Donc en fait, cette conscience, enfin, et on prend, il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de plus en plus de ça. Et cette prise de conscience générale, bah, c'est une évolution spirituelle, et c'est une évolution spirituelle qui se fait de manière collective en ce moment. Puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui, et il y a des tas de facteurs qui permettent de tirer en fait l'énergie collective vers le haut, l'alignement des planètes, l'ascension de la Terre en fait, et toute l'évolution collective de la plupart des personnes. Je ne sais pas si c'est très clair. Tu peux peut-être n'hésite pas, Muriel, si tu penses qu'il y a des moments où les choses ne sont pas très très claires. Ça marche, c'est très clair pour l'instant. Ok, ça marche. Et donc, qu'est-ce qui caractérise en fait le monde de la cinquième dimension? Dans la cinquième, ce qu'on appelle la cinquième dimension, alors moi, personnellement, j'aime pas trop parler de troisième, cinquième dimension. Enfin, c'est encore mettre des cases sur des choses, mais qu'est-ce qui caractérise en fait des énergies, des fréquences plus élevées? Et comment est-ce qu'on les ressent en fait? Comment nous est-ce qu'on les ressent? Comment est-ce qu'on sent quand on est dans la 3D, quand on est dans la 5D? Bon, dans la 3D, je l'ai expliqué, c'est la dualité, c'est le monde de la matière, etc. C'est le fait de ruminer le passé, d'avoir peur du futur. Quand on est dans des vibrations plus élevées, eh bien, on sent que au niveau du temps, il y a déjà un changement. On est beaucoup plus dans le moment présent. On en oublie. On attache beaucoup moins d'importance aux choses passées, on va beaucoup moins avoir tendance à les ruminer, et on va avoir beaucoup moins de projections futures, quelles qu'elles soient, que ce soit se projeter des scénarios ou avoir peur de choses qui ne sont pas encore passées. À des fréquences plus élevées,
On a donc une conscience qui est plus élargie et une conscience qui va de notre unité, de notre petit moi-je, moi-je, à une conscience beaucoup plus collective. Il y a également, quand on prend le virage de la 5D et qu'on le prend durablement, un alignement, davantage d'alignement de notre être. C'est-à-dire que au niveau de la tête, du cœur, c'est-à-dire de tout ce qu'on ressent et de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on souhaite et de tout ce qu'on vit dans notre corps, il y a un alignement. Cet alignement, enfin, et moi, ça, je peux parler de ça assez facilement parce que quand j'ai vécu mon burn-out, j'ai vécu un désalignement. Je vendais des produits qui avait une éthique, une philosophie qui était complètement contraire aux choses dans lesquelles je croyais ou dans les choses qui étaient pour moi saines. En fait, je faisais quelque chose et je dirigeais une entreprise qui vendait des produits dans lesquels je ne croyais pas du tout, et même le style de vie que je prenais, enfin vers lequel je tendais, eh bien, était à l'opposé des choses que je vendais. Donc forcément, il y avait un gros désalignement. Et donc beaucoup de personnes sont en train de vivre ce changement. Beaucoup de personnes, et je connais plein en fait, et je pense que il y en a de plus en plus, beaucoup de personnes trouvent ça difficile de garder leur job parce qu'elles ne s'y retrouvent plus, parce qu'elles sentent qu'elles sont portées par autre chose, qu'il y a des énergies qui les emmènent, qui les tirent vers le haut et malheureusement, il y a des choses qui les retiennent, les choses de la matière, les choses de l'ancien monde, comme je l'appelle, les retiennent. Et il y a également dans le monde de la. Enfin, quand on est dans la cinquième dimension, ou quand on vit dans la cinquième dimension, une conscience, et ça pour moi c'est la chose la plus magnifique, la plus belle, la plus grandiose, il y a une conscience de son propre pouvoir créateur. Donc grosso modo, 3D, 5D pour simplifier, c'est juste pour moi, cette dénomination 3D, 5D, c'est pas si important, mais ce qui est important, c'est de voir que entre les deux, il y a une grosse montée en conscience. Et cette montée en conscience, c'est davantage de conscience collective, davantage de conscience de qui on est, d'où on vient. Et là, je parle vraiment de spiritualité et conscience aussi de son pouvoir créateur, c'est-à-dire du fait que on crée sans arrêt les expériences qu'on. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est vraiment pour moi la chose essentielle. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Alors, je vais parler un petit peu plus de cette dernière. La loi de l'attraction, on en parle beaucoup. Malheureusement, 99% des cas, on en parle pour attirer de l'argent. Je dis malheureusement, parce que c'est vraiment donner un côté réducteur à la loi de l'attraction. Évidemment, on peut attirer de l'argent, mais il y a des tas d'autres choses qu'on peut attirer. Je dirais même que la loi de l'attraction, pour moi, c'est une loi fondamentale de l'existence, c'est une loi divine, c'est-à-dire qu'elle est valide dans tous les univers, elle est valide pour tout le monde, pour tous les êtres. Et cette loi universelle, tout ce qu'on émet et ces émissions de fréquences, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, à un niveau énergétique, c'est uniquement des fréquences. Toutes ces fréquences, eh bien, vont être émises par nous, que ce soit par les actes, bien évidemment, mais aussi par les paroles, mais aussi, encore avant ça, par les pensées. Et toutes ces choses qu'on émet vont nous revenir. Et cette loi, c'est un corollaire d'une autre loi universelle qui est la loi de l'unité, qui est que dans un niveau de conscience très très élevé, on est tous un, on est tous une partie de Dieu, on est tous une cellule de Dieu, et on en contient toutes les informations. Chaque cellule contient l'ensemble des informations de Dieu. Enfin, peu importe, ça s'appelle, c'est la loi de l'unité, c'est en fait, on est tous un, on est tous reliés. Et si vous pensez à ça, c'est normal, si on est tous reliés, que tout ce qu'on émet, eh bien, on va se le recevoir, puisqu'on est tous un, tout ce qu'on émet, bah forcément, on se le reçoit aussi. C'est la loi vraiment la plus importante. Et quand on est suffisamment élevé en conscience, c'est-à-dire quand on vit, quand on accueille la cinquième dimension et quand on vit dedans, eh bien, on a conscience de son pouvoir créateur et on est capable de créer sa vie.
de créer les circonstances que l'on va vivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que des choses bien. Mais même dans les épreuves, on saura que c'est des leçons. Et la plupart des choses qui vont arriver, ça va être des choses de l'abondance, qui vont nous amener du bonheur, qui vont nous amener de la joie. Donc, voilà pour cette introduction, pour cette présentation de ce qu'est la 3D, la 5D, etc. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alors, il y a les questions de Muriel. Ah, alors, vas-y. Question de Muriel. Donc, en fait, c'est ça, la différence entre la 3D et la 5D, c'est vraiment une notion de conscience des choses, de conscience d'un passage de la dualité à une forme d'unité. Et si j'ai bien compris ce que tu nous as expliqué, en fait, ce qui peut nous aider dans ce passage-là, c'est de bien comprendre comment cette loi d'attraction fonctionne, puisque c'est ça qui peut nous permettre d'aller vers, en tout cas de dépasser la dualité pour aller vers quelque chose qui nous relie vraiment tous et qui nous met vraiment en lien avec cette cinquième dimension et cette dimension très spirituelle. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas que maîtriser ou comprendre, bien comprendre la loi d'attraction, évidemment, ça va permettre de comprendre les lois universelles. Et donc, forcément, quand on comprend, quand on intègre ces choses-là, forcément, on a plus de conscience. Mais c'est aussi quand on a plus de conscience, on a aussi beaucoup plus d'aisance à créer sa vie via le pouvoir de la création. Tu vois, ça va dans les deux sens. D'accord. En fait, si tu veux, ces deux mondes, 3D, 5D, ces deux dimensions, enfin, cette différence de dimension, c'est juste une différence de conscience. Au milieu, il y a la 4D. Si tu veux, on vit dedans et on a un petit peu tout en même temps. Le monde n'est pas soit en 3D, soit en 5D. C'est une évolution naturelle, mais comme dans toute évolution, il n'y a pas de, il y a, y a aucun moment, enfin en tout cas pas comme dans toutes forcément, parce que parfois dans certaines évolutions, il peut y avoir un point de non-retour. Là, il n'y a pas de point de non-retour, ou en tout cas pas aujourd'hui, pas qu'il soit manifeste. Mais c'est-à-dire que le monde et toutes les personnes, le monde est en fait peut être considéré comme une seule unité, et nous on est des cellules de ce monde, hein, comme la Terre. La Terre c'est une unité, nous on est des cellules, on est des habitants, des petits microbes qui sommes sur la Terre. Mais chaque cellule, c'est-à-dire chacun de nous, eh bien évolue à son propre rythme. Il y a des cellules qui sont cancéreuses, il y a des cellules qui sont très très vivantes. Donc en fait les cellules cancéreuses, ça va être, enfin entre guillemets pour l'image, hein, les cellules cancéreuses ça va être les personnes qui, voilà, qui restent dans un monde très très matériel, qui n'ont pas du tout conscience d'où ils viennent, etc. Et il y a les personnes qui, au contraire, vont faire du bien, avoir davantage de vie, être davantage conscientes, et tout ça se mélange. Mais en fait, il y a un shift général qui fait qu'en moyenne, tout évolue et tout évolue dans le bon sens. Mais l'évolution, l'évolution peut être en dents de scie, mais à tendance vers le haut. Et donc, il y a des ce qu'il faut regarder un petit peu, c'est et là où vous pouvez vous apercevoir de où est-ce que vous en êtes, c'est un petit peu comment vous vivez les choses. Comment est-ce que vous vivez la période qu'on vit actuellement, avec le confinement, les masques, etc. Est-ce que vous êtes dans des énergies de révolte? Vous êtes dans des énergies de colère? Ça peut être des colères face à la théorie du complot. Il y en a beaucoup qui parlent de ça. Et ça génère des émotions. On peut tout simplement reconnaître que ça nous embête. Okay. Je pense qu'il n'y a personne qui aime mettre un masque toute la journée. Mais on peut vivre les choses différemment. Et en fait, c'est les sentiments, c'est les fréquences que vous émettez à chaque instant. Regardez un petit peu la moyenne et voyez si vous vous situez un petit peu plus dans des énergies de colère, de peur, etc. Ou si vous êtes davantage dans des énergies d'amour, dans des énergies d'aide aux autres, des énergies de conscience collective, des énergies tout simplement de conscience de votre propre divinité. Donc ça veut dire Mais tout par ça, on exemple l'air. que Ouais. ouais, ça veut dire que par exemple là, effectivement avec tout ce qu'on est en train de vivre, qui effectivement est très challengeant, ça vient nous chercher. Ouais. On va dire que l'indicateur pour savoir si on est en évolution vers cette cinquième dimension, voire si on y est, je ne sais pas si on peut déjà y être, mais en tout cas c'est vraiment la manière dont on gère tout ça, donc la manière peut-être dont on reste calme au milieu de cette tempête. Est-ce qu'on pourrait Oui, dire c'est ça comme ça. ça? Alors, oui, c'est un peu ça, il faut regarder ça en moyenne. Si tu veux, dans les journées, il y a forcément des moments, enfin, je veux dire, à moins d'être un maître, et moi, j'en suis pas du tout un, à moins d'être un maître qui soit heureux en tout temps, à 100% du temps. Enfin, si tu regardes, je regarde par exemple Eckhart Tolle, à chaque fois que je vois cette personne, je me dis, waouh, c'est quand même incroyable, il arrive en tout temps à être pleinement
dans le présent, pleinement dans l'accueil, dans l'amour, dans la tolérance, etc. Bon, c'est un maître. Et la plupart des personnes évoluent et au sein de la même journée font des zigzags. Il y a des moments où on vit beaucoup de colère, où on peut avoir peur, etc. Et puis après, le simple fait d'accepter ça et de regarder, d'accepter le fait qu'on ait peur, qu'on se dise mince, ok, là je suis pas dans les bonnes énergies. Le simple fait de se mettre de la conscience là-dessus, déjà, ça nous fait prendre du recul par rapport à ça. Et une fois qu'on se rend compte qu'on n'est plus dedans, bah déjà on décroche, si tu veux. Parce que le risque, c'est d'être dans la peur et de rentrer dans un cercle vicieux, de dire, ah ben mince, j'ai mon masque, oh, le voisin, il ne le porte pas, donc il y a de la colère qui se met, y a de la colère qui se met contre lui, et puis de la colère contre le gouvernement qui met ses mesures, et de la colère contre les Chinois, et de la colère contre tout ce que tu veux. Et au final, bon, là, ce n'est pas être dans des vibrations qui nous rendent service, en fait. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, on attire ce qu'on émet hein, par cette loi universelle qui est la loi de l'attraction. Donc, si on est dans des vibrations de peur, eh bien, finalement, on va s'attirer de la peur. Si on a peur du Covid, eh bien, on a beaucoup plus de chances de s'attirer, enfin, de contracter cette maladie. Quand on est dans des énergies d'amour, c'est le contraire de la peur, hein, c'est vraiment le contraire. Donc, des énergies d'amour, des énergies de conscience de qui on est, de son pouvoir créateur, eh bien, waouh, la vie change. Et là, on est dans des vibrations beaucoup plus élevées. Mais en fait, tout ça cohabite. On est un petit peu tout en même temps. Enfin, au sein de la même journée, il faut regarder la moyenne, si tu veux. D'accord. Et alors, c'est une question un peu étrange peut-être, mais je la pose. Est-ce que le fait de passer en 5D, est-ce que, par exemple, ça peut nous amener à physiquement être ailleurs? Ou comme si on n'était plus tout à fait sur cette terre ou dans ce monde-là? Est-ce que ça peut faire ça? Si vraiment on y est, si vraiment on arrive, alors évidemment, peut-être par moment, hein, peut-être pas toute la journée, mais est-ce que ça peut amener Ouais. comme ça un accès à d'autres mondes? Oui, ça peut en amener un accès, parce qu'en fait, quand on évolue spirituellement, c'est-à-dire que bon, ok, on est en 5D, on a cette conscience qui est plus une conscience plus élargie, on peut effectivement, lors de méditation par exemple, avoir accès à des espaces de conscience qui sont supérieurs. Quand on est dans la 3D, monde classique, boum, on voit ce qui est autour de nous, on voit ce qui est physique. Quand on est dans une conscience supérieure, on a accès à d'autres plans de conscience. Qu'est-ce qui se passe quand on médite? Alors, pas forcément la première fois, pas forcément à chaque fois, et c'est pas une règle générale, mais qu'est-ce qu'on peut vivre lors d'une méditation, par exemple? Lors d'une méditation, on peut se retrouver à voir des paysages, à se retrouver dans un monde différent, etc. C'est une belle expérience. Quand on réitère l'expérience et quand on croise après les données, on s'aperçoit qu'en fait, là où on était, c'est un espace qui existe réellement. Mais c'est un espace qui n'est pas palpable, hein, pas avec notre corps physique, mais auquel on peut accéder. Quand je fais des soins énergétiques, je me connecte aux autres, je me connecte aux personnes. Je peux arriver à capter des choses qui sont arrivées dans la vie de ces personnes, alors que je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Je peux arriver à voir. Et la voir, c'est pas comme de la vue avec mes yeux physiques, mais ça peut être par intuition, ça peut être par des canaux qu'on n'a pas l'habitude de travailler de manière, enfin en tout cas, qui sont pas forcément évidents à capter certaines choses, certaines informations qui vont aider cette personne sur ce dont elle a besoin, ou alors sur voilà des choses, des énergies qui sont sur elle qu'il faut nettoyer. Et donc en fait, oui, on peut arriver. Et on accède à des espaces de conscience différents lorsqu'on s'éveille en conscience. Après, les expériences vécues sont différentes pour chacune des personnes. C'est pas, on les vit pas à chaque fois. C'est très, j'ai envie de dire, c'est très très personnel en fait. Hein. Mais on arrive, on peut croiser des informations. C'est-à-dire, si on demande à deux personnes de se connecter à la même personne qui a une maladie, les deux peuvent rapporter des choses qui sont très cohérentes. Et donc, on arrive à voir qu'en fait, ce qu'on voit, et où ce qu'on peut percevoir, en fait, dans ces états de conscience élargis, ce n'est pas quelque chose qui est juste de la folie. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui me contactent, qui m'envoient des emails, qui me relatent une expérience, qui me disent, mais. Ou de clients qui me disent tiens, mais j'ai vécu ça, est-ce que tu penses que c'est normal ou est-ce que je perds la tête? Non, vous ne perdez pas la tête, c'est simplement que vous avez accès à d'autres choses, à d'autres univers
Et ben voilà, ça peut donner l'impression qu'on perd la tête parce que c'est des expériences qui sont tellement, qui peuvent être tellement, enfin, qui sont tellement inhabituelles ou qui peuvent être tellement folles qu'on peut réellement se poser la question. D'ailleurs, la plupart des personnes qui sont malheureusement dans des qui sont internées, ce sont des personnes qui ont accès à d'autres plans de conscience. Alors, avec ça dépend à quoi elles ont accès. Si elles prennent des substances chimiques pour des drogues ou des choses équivalentes pour accéder à d'autres espaces de conscience. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe quand on prend quand on prend des drogues. Hein. On peut avoir des hallucinations. Ces hallucinations, c'est simplement d'autres espaces de conscience qu'on va explorer. Mais ce qu'il y a, c'est que comme on prend des substances qui nuisent à notre santé, elles vont tirer nos énergies par le bas. Malgré tout, elles vont nous donner accès à d'autres plans de conscience. Et donc, on va rentrer dans ces plans de conscience, on va être dans des énergies qui sont très, très basses. Et donc là, on peut, voilà, ça peut être des expériences qui sont dangereuses, on peut s'attirer des énergies négatives et puis ensuite partir dans une spirale infernale. Par contre, quand on fait ça enfin, dans le cadre de méditations qui peuvent être voilà, qui peuvent être sous atmosphère protégée ou alors encadrée par des personnes qui sont expérimentées, on ne risque pas d'avoir ce genre d'expérience nuisible, j'ai envie de dire, mais là, au contraire, on va aller dans des plans qui sont des plans de conscience qui sont supérieurs. Parce qu'en fait, il faut comprendre que on est tous à des plans de conscience différents. Si tu veux, c'est comme on est 8 milliards d'individus sur Terre, pour ne citer que, enfin, pour ne citer que les êtres humains, c'est 8 milliards, parce qu'en fait, voilà, il y en a une infinité de tout. Et ces 8 milliards, on est sur des niveaux de conscience tout différents. Et puis, s'il y en a deux qui sont au même niveau, en fait, il y en a un qui sera un tout petit chouïa au-dessus, tout petit chouïa en dessous, et tout ça varie. Donc, en fait, c'est pas, on peut se connecter à d'autres plans de conscience. Mais on peut se connecter à une infinité d'autres mondes, si tu veux. Et est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose comme, je reviens sur cette sensation un peu physique, mais tu sais, dans la prophétie des Andes, dans le film, à la fin, c'est pas vraiment un spoiler, mais à la fin, effectivement, ils ont des vibrations qui sont tellement élevées que finalement, ils disparaissent. Enfin, en tout cas, les êtres humains basiques ne les voient pas. Et quand leurs vibrations rebaissent, là, leur corps redevient visible. Est-ce que tu crois que Oui. ça, je dis pas que c'est un pouvoir d'invisibilité, on n'est pas là-dessus, mais est-ce que tu crois Oui, que le bien fait sûr. d'élever nos vibrations comme ça, tu vois, ça peut permettre, comme on vibre beaucoup plus haut, bah du coup, on est plus visible dans cette matière, bassement, entre guillemets, 3D. Est-ce que ça peut amener des Oui. choses comme ça ou pas? Alors, je suis persuadé que ça existe. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé quand certains grands maîtres ont ascensionné et ont tout d'un coup disparu ou sont montés. C'est qu'en fait, on est constitué de cellules. Dans les cellules, il y a d'autres, voilà, il y a des atomes. Et au final, on s'aperçoit que on est constitué principalement de vide et que tout ça, tout ce qui nous constitue, toutes les choses physiques qui nous constituent, elles sont uniquement reliées entre elles par des forces énergétiques, par des forces électromagnétiques qui permettent à toutes ces choses d'être cohérentes. Et donc, c'est ce qui fait que, et si tu regardes avec un microscope, si tu regardes notre corps avec un microscope et que tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu arriveras à 99,9999% de vide pour un petit atome ou un petit sous-élément au bout d'un moment. Et je pense que, en fait, dans ces expériences que tu décris ou qu'on voit dans la prophétie des Andes, quand on monte tellement en conscience, on parle de vibrations, hein, on parle de monter ces vibrations quand on monte en conscience. Les vibrations deviennent tellement élevées que tout ça vient s'étendre, se dilater. Et arrive un moment où, effectivement, on peut ne plus être visible parce qu'on est tellement dans des consciences supérieures que, pouf, en fait, on parle d'expansion de conscience. En fait, je fais le geste, et c'est-à-dire qu'on devient tellement énorme que, ben, au milieu, il reste rien parce qu'il y a un atome qui est complètement là-bas, à 2 km là-bas, et un autre, et l'atome voisin qui est à 2 km là-bas. Enfin, pour moi, c'est la façon dont je me représente ces choses-là parce que je suis bien évidemment, je ne connais aucune personne qui n'est capable de ces choses-là ou qui est assez élevé en conscience pour faire de telles choses. Mais c'est vraiment la façon dont je me représente cela. Et si on réussissait tous à être en 5D, est-ce que ça veut dire, les questions sont beaucoup là-dessus, mais est-ce que ça veut dire qu'on change de planète?
Est-ce que ça veut dire qu'on change de monde ou est-ce que ça veut dire que la Terre monte aussi en vibration et qu'on reste sur la Terre mais que il y a juste une conscience différente? Comment est-ce que ça peut. Qu'est-ce Non, que tu alors penses de pour ça? moi, alors là encore, c'est une question, j'ai pas la réponse, mais voici la façon dont moi je me représente les choses, c'est que actuellement il y a des personnes qui sont vraiment dans des énergies très matérielles et il y a des personnes qui sont vraiment complètement dans la 5D. Et c'est ce à quoi tout le monde aspire. De toute façon, quoi qu'il arrive, tout le monde passera par là, puisqu'on est là sur Terre pour évoluer. Si ça ne se fait pas en une vie, ça se fait en plusieurs. Enfin, si ça ne se fait pas dans cette vie-ci, ça se fera dans les suivantes. Mais on est. Pardon, je balance un nouveau concept. Alors, ça peut perturber des auditeurs Non, 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 désolés, les c'est concepts de pas. vie, etc. Mais je vais revenir à ta question. Donc, en fait, tout ça, tous ces mondes cohabitent. C'est-à-dire que, y a un petit peu des, il y a des deux, il y a des personnes qui sont en 3D, des personnes qui sont en 5D, et donc tout ça, c'est deux mondes qui cohabitent. Mais la façon dont je me représente les choses, encore une fois, c'est que soit il y a des personnes qui arrivent à prendre la vague et arrivent à aller dans des vibrations plus élevées, dans plus d'amour, dans plus de choses collectives, etc. Soit il y a des personnes qui n'arrivent pas à ça. Les personnes qui n'y arrivent pas, elles vont être dans un cercle. Enfin, elles ont de toute façon, on le voit bien, tout commence à exploser. Je veux dire. Il y a le avec enfin voilà, il y a un gros exemple, c'est le Covid. Au niveau de l'économie, tout part en cacahuète. Au niveau de la finance, tout part en cacahuète, hein, parce que je veux dire, on est tellement allé dans des extrêmes dans ce monde de 3D que de toute façon on arrive à un burn-out sociétal. Et ce burn-out, il se voit à tous les niveaux, en fait, au niveau de la finance, au niveau de l'économie, au niveau de plein de choses qui, enfin, par exemple, quand je regarde tout ce qui se passe, enfin tout ce qui se passe dans le monde, c'est quand même assez fou. La banalisation de la pornographie, enfin plein de choses comme ça qui sont complètement folles. Il y a des personnes qui vont rester dans ces énergies-là. Et à côté de ça, et dans le même monde, il y a des personnes qui sont dans la 5D et qui s'éveillent et qui aident d'autres personnes à s'éveiller. Donc les deux cohabitent. Après, moi, je pense vraiment que ça va s'arrêter là. Il va pas y avoir une terre qui va se couper en deux ou toutes les personnes qui vont physiquement ascensionner pour aller dans un autre monde. Ça, je ne crois pas à ça. Enfin, j'ai du mal à croire à ça. C'est beaucoup trop brutal, beaucoup trop direct. Moi, le changement est beaucoup plus doux. Et il y a des personnes qui vont simplement rester dans l'énergie de peur, etc., qui vivront dans la souffrance jusqu'à la fin de leur vie. Et il y a les personnes qui, jusqu'à la fin de leur vie terrestre, bien entendu, eh bien, vivront beaucoup mieux, vivront plus dans la joie, dans le bonheur. Et par contre, à l'issue de cette vie, eh bien, ces personnes, peut-être, elles se réincarneront à différents endroits, mais où elles pourront se réincarner sur une terre ou sur un copier-coller de la terre, mais qui sera dans des vibrations qui elles, seront plus élevées. Donc, pour moi, ça va pas être un gros boom, ou alors, en telle année, il va y avoir une scission, et puis il y a toutes les personnes, il y a la moitié des personnes qui vont exploser, et l'autre moitié des personnes qui va partir sur une autre planète instantanément. Je pense pas que ça va se passer comme ça. Ok, donc pour toi, ça pourrait être par exemple comme la planète Terre, où d'un côté il y a ceux qui ne veulent pas évoluer parce qu'ils ne sont pas prêts, puis d'un autre côté, il y aurait les personnes qui sont prêtes à évoluer et à vivre ensemble. Il y aurait comme deux continents différents, on pourrait dire. Enfin, deux continents, tu Oui, alors et même ce sera, ils seront pas physiquement dans deux continents, mais je pense qu'il y aura vraiment, il y a des personnes qui seront, je pense que ces deux mondes vont être, il y a des personnes qui comprendront plus les autres, des personnes qui chercheront à avoir le pouvoir sur les autres parce que c'est ce qui se passe, hein, avec tous les gouvernements, etc., qui essaient de contrôler, ou institutions, ou peu importe, qui essaient de contrôler des populations. Puis il y en a d'autres qui seront complètement détachées de ça parce qu'elles ne seront plus du tout reliées à ça. Et donc, en fait, comment ça va se matérialiser, je ne sais pas trop. Mais tu vois, on voit de plus en plus des villages autonomes ou des villes autonomes qui se créent avec des personnes qui ont un niveau de conscience. Enfin, voilà, ceux qui habitent dans ces lieux, qui animent ces lieux, qui font vivre, enfin, sont respectueuses de l'environnement, sont respectueuses des autres, du collectif, etc. Et donc, en fait, sont dans des énergies qui sont plus élevées. Et en plus, elles sont indépendantes, ces personnes. Donc, quoi qu'il arrive autour, ça va pas vraiment les impacter. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Après, j'ai pas de réponse. Enfin, voilà, je ne sais pas ce qui arrivera à l'avenir, mais ça va être, pour moi, les changements seront doux. Enfin, doux, c'est-à-dire, ça peut faire mal, mais ça va pas être quelque chose de radical, de brutal, où tout le monde va ascensionner au sens physique du terme, quoi. D'accord. Non. OK. OK. Ah Et oui, si tu voilà. veux, cette Oui. évolution. Oui, pardon, excuse-moi, tu voulais me poser une question, vas-y.
Et du coup, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, c'est ce que tu dis, mais que tout s'accélère, que on va dire que là, justement, l'éveil des consciences quand même s'accélère. Il y a de plus en plus de gens effectivement qui sont dans leur peur et qui veulent pas en sortir, en tout cas pour l'instant, et de plus en plus de gens qui effectivement s'éveillent ou continuent à s'éveiller et qui créent des choses comme ça qui sont très belles et très positives, même si on les voit pas tout le temps parce qu'évidemment c'est pas ce que les médias relaient, mais effectivement ça existe. Est-ce que toi tu penses que cette évolution vers la 5D c'est quelque chose qui peut parce qu'on a l'impression que tout évolue très très vite, est-ce que ça peut aller est-ce qu'il peut y avoir un temps, si tu veux, est-ce que, par exemple, on pourrait dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais genre dans 2 ans, ça y est, tout le monde est passé en 5D, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut mettre plus de temps? Qu'est-ce que tu Alors, penses de ça? pour moi, les choses vont mettre plus de temps, de toute façon. Hein, les changements, et alors, les changements sont progressifs, mais en 2012, hein, ça a été une date déjà oui, pendant laquelle s'est passé des choses. Les Mayas avaient prévu qu'il se passerait des évolutions. Il y a des choses qui ont commencé à bouger. En 2012, ça fait 8 ans. Et donc, les choses continuent. Pour ma part, moi, la façon dont je les ressens, c'est que cette année, il y a une grosse accélération, hein, en 2020, depuis le début de l'année. Bon. Moi, je l'ai senti, je l'ai vraiment senti. Mais de toute façon, on le voit, en fait, c'est un peu clair, hein. Feu de forêt, confinement, pandémie, changement climatique, enfin, toutes ces choses-là. Enfin, tu vois que tout change et tout bouge à une vitesse très, très rapide et de plus en plus vite. Ouais, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent et pour tout le monde. Et quoi qu'il arrive, en fait, le monde change, les circonstances extérieures changent. Après, c'est soit tu sais t'y adapter et changer toi-même aussi, soit tu n'y arrives pas, et là, malheureusement, tu souffres. Et les personnes qui arrivent aussi, leur rôle, ben, c'est d'y arriver elles-mêmes, déjà, premier challenge. Deuxième challenge, c'est aussi d'aider les autres, hein, d'aider les autres à monter. Oui. Bon, voilà, c'est ce qu'on fait tous les deux, hein. Et il y en a plein d'autres qui font ça, des thérapeutes, des personnes qui sont dans l'éveil spirituel, ou même des personnes tout simplement qui ne sont pas du tout là-dedans, mais qui donnent un sourire à leurs voisins, qui sont simplement. Qui sont humaines, en fait. On va revenir dans l'humanité qu'on a perdue, en fait, malheureusement, pendant ces derniers siècles, et puis peut-être un peu avant, déjà. Oui, et qui comprennent l'importance de ce lien qu'il y a entre nous tous, quoi. Et que finalement, voilà, on est tous égaux, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux qu'un autre, on est tous différents avec nos particularités, mais on est tous liés. Et donc, du coup, voilà, il faut qu'on avance tous dans la même direction pour tous aller bien. Exactement, parce qu'en fait, le but du jeu, il y a, tu vois, il y a. Le but, il peut se voir. Enfin, le but, c'est d'évoluer. Mais c'est d'évoluer personnellement. Mais quand on évolue personnellement, on a conscience de cette unité. Et donc, en fait, la victoire ne peut qu'être collective. Puisqu'en fait, une victoire de nous seuls, une victoire d'une seule cellule, c'est pas une victoire acceptable. Tu vois, quand tu as un niveau de conscience où tu te dis, ah bah tiens, on est vraiment dans le collectif, dans l'unité. Il faut que tout le monde y arrive. Donc, en fait, on n'a pas fini le boulot. Quand soi-même, on est pas mal monté. Alors, la montée n'est jamais terminée, hein. Mais après, c'est à nous d'inspirer les autres. Et ça peut se faire pas forcément en étant thérapeute, hein, ou en faisant des partages sur l'éveil spirituel. Ça peut se faire tout simplement par sa propre présence et parce qu'on envoie, parce qu'on rayonne autour de soi, en fait, juste en étant présent, en faisant attention à ceux qui sont autour de nous, tout simplement. Mais vraiment, le mot humanité, ouais, c'est ça, en étant plus humain, finalement. C'est le monde auquel on aspire tous, où on est tous heureux, en harmonie, on vit tous les uns avec les autres, et puis ouh, et on se rappelle de qui on est. C'est quand même génial. Ça. Et on est tous reliés par le cœur, en fait. Relié par le cœur, oui, exactement. Et alors, Exactement. est-ce qu'il y aurait autre chose que la 5D? Mettons, on arrive tous en Ouais. 5D, c'est la fête, et ah, ça y est, on y est. Est-ce qu'après, on continue encore à évoluer? Est-ce qu'il y a une sixième dimension? Est-ce qu'il y a une huitième? Oui, alors tu vois, évidemment, il y a d'autres dimensions. Après, c'est que bon, alors déjà la 5D, faudrait déjà la connaître en full time à 100% du temps. Alors après, je peux pas te parler de 6D, 7D. Mais par contre, non, Est-ce que il y a tu penses que une ça existe? certitude, quelque chose. Qu'est-ce que je pense? Ouais. Oui, alors encore une fois, hein, pour moi, c'est pas t'es dans la 3D, t'es dans la 4D, t'es dans la 5D. C'est juste, bon, je nomme ça comme ça parce que tout le monde nomme ça comme ça. Mais pour moi, c'est des cases, mais ces cases, elles fusionnent entre elles. C'est-à-dire que c'est une évolution progressive de la conscience. Et cette évolution de conscience, elle peut se faire, enfin, elle se fait de manière continue. Et même, quand tu es au niveau de conscience le plus élevé, tu continues d'évoluer. Il y a un niveau de conscience le plus. Alors, il y a des grands maîtres qui ont marqué l'histoire humaine. L'un d'entre eux, c'est Jésus.
il continue son évolution depuis 2000 ans. Seulement, il la continue pas sur Terre, son évolution. Mais le niveau qu'il a atteint il y a 2000 ans, juste au moment de sa mort, enfin au moment où il était le plus éveillé possible, c'est le niveau maximal enfin, alors il y a une ressource, hein, donc je pense à un livre de David Hawkins qui a un moyen de calibrer en fait le niveau vibratoire des personnes. Selon lui, il y a trois personnes qui ont jamais atteint le même niveau que Jésus. Enfin, alors, il y a Jésus, il y a Bouddha, il y a Krishna, et c'est les trois seules personnes qui ont vécu physiquement sur Terre qui ont été à ce niveau d'élévation spirituelle. Donc dans son échelle de calibration, c'est le niveau 1000, c'est le niveau, on peut pas dépasser ça. Enfin, en tout cas, c'est le niveau le maximal qui ait jamais été atteint par des personnes sur Terre. Mais après, dans d'autres univers, parce qu'on continue la vie, en fait, après la mort physique, on continue son élévation de conscience. Et le créateur même, en fait, quand on arrive au niveau maximal, on continue d'évoluer, on continue d'apprendre. Donc, en fait, c'est une évolution sans fin. En tout cas, c'est ma vision, ma perception des choses aujourd'hui. Mais c'est quand même... en tout cas, le fait que ses maîtres et Jésus continuent, pour n'en citer qu'un, continuent d'évoluer depuis 2000 ans, c'est confirmé par beaucoup de monde, soit qui calibre, soit tout simplement qui canalise ces personnes et qui peuvent le relater. Et donc il n'y a jamais de fin. On est dans une évolution sans fin. Donc oui, après la 5D, on pourra peut-être les appeler 6D, 7D, on pourra les appeler autrement, peu importe, mais c'est toujours une évolution de conscience. Et quand on aura réussi, quand on aura pleinement intégré celle-ci, donc de la 5D, après, oui, on aura encore un long chemin à faire, mais ce chemin ne se fait pas en une vie. Ce chemin se fait sur une échelle de temps infinie. Mais le temps n'existant pas, on n'est pas pressé finalement. Non, on n'est pas pressé du tout, parce qu'en fait, voilà, faut pas regarder ça comme un objectif. En fait, voilà, c'est un message important ce soir. Pas regarder ça comme un objectif, parce que là encore, regarder les choses comme des objectifs à atteindre, c'est plutôt basse vibration. Se dire, ok, il faut que j'atteigne ça. Enfin, ok, c'est pas grave. On revient dans le présent. On prend conscience du pas qu'on vient de faire. C'est génial. On a fait un pas, on a monté d'un pas. Et maintenant, on est invité à faire un pas suivant. Eh bien, continuons. Et puis, regardons chaque marche, là où on en est, comment est-ce qu'on peut monter, comment est-ce qu'on est en train de monter la suivante. Mais regardons pas vers le sommet, parce que ou en se fixant des objectifs particuliers, parce que ça n'a pas de sens. Et au contraire, ça va juste nous freiner quelque part. Oui, c'est un peu le fait de dire, par exemple, que ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas la destination. C'est exactement ça. C'est ça, hein, ok. L'important, c'est le chemin et c'est le quotidien. C'est vraiment revenir dans le présent. Hein. Revenir dans le présent, savoir vivre pleinement dans le présent, apprécier ce qu'on a et être présent, ça a plusieurs significations. Ça veut aussi être présent à l'autre. Ok, quels sont ses besoins ? Regarde, aujourd'hui, on rentre quelque part où tu vas aux États-Unis, enfin particulièrement aux États-Unis. Hi, how are you doing ? Ok, salut, comment ça va ? Quand tu rentres dans un magasin, mais les gens, est-ce qu'ils attendent la réponse ? Non, et d'ailleurs, il n'y a pas de réponse qui est donnée. Donc en fait, tu vois, il n'y a même pas de communication finalement. Et être présent à l'autre, c'est tout simplement dire, ah voilà, être conscient de ce qu'il ressent, être conscient de ce dont il peut avoir besoin, s'intéresser à lui, tout simplement. C'est aussi ça. La présence, c'est pas que la présence du moment présent, mais c'est offrir sa présence, être tout simplement être conscient de ce qui se passe autour de soi. Et donc du coup, par exemple, si tu pouvais donner des exemples précis de ce que tu vois tous nos auditeurs pourraient appliquer dès aujourd'hui ou dès demain pour justement continuer, parce que j'imagine que tout le monde est en chemin et surtout évidemment tous les gens qui nous regardent, sinon ils seraient pas là évidemment. Mais comment est-ce qu'on, quel geste on pourrait faire, quelle pensée on pourrait avoir à mettre en pratique au quotidien pour tout doucement continuer à nous éveiller et à avancer? Ouais. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Et toutes ces choses, enfin toutes les choses que je vais mentionner sont bonnes. Mais il y a quand même trois familles, selon moi. Comment on fait pour monter en énergie ? C'est, on fait des additions, des soustractions et des multiplications. On est un système. En fait, on peut se considérer, voilà, on est un corps, enfin même des corps énergétiques, on est un système énergétique. Pour monter son niveau d'énergie, soit on rajoute de l'énergie positive, ça va nous faire monter notre niveau positif. Très facile à comprendre, c'est une addition. Soit on enlève des énergies qui sont négatives.
on fait une soustraction, on se débarrasse de choses qui nous tirent vers le bas, des énergies lourdes. Je vais rentrer dans les détails juste après. Soit, on a des, voilà, il y a déjà des énergies qui sont présentes en nous, on fait évoluer ces énergies. C'est la multiplication, c'est la transmutation. Et donc, comment on entretient, comment on fait évoluer ces énergies? Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, en fait, l'addition, apporter des énergies qui sont à plus haute vibration et qui vont nous tirer vers le haut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire attention physiquement, faire attention à son alimentation, privilégier l'alimentation vivante, parce que quand on ingère de la vie, eh bien, dans son système, en fait, on ajoute de la vie. Donc, forcément, ça va nous tirer vers le haut. Pareil, au niveau de ce qu'on boit, faire attention à l'eau. Éviter de boire des eaux qui sont de l'eau du robinet, par exemple, qui peut être chargée. On peut dynamiser son eau pour la rendre vivante. Ça aussi, ça va apporter de la vie au cœur de nos cellules. Faire attention à ce qui entre en soi, donc à tout cet aspect addition, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on reçoit comme énergie au niveau de notre mental? Qu'est-ce qu'on reçoit comme énergie au niveau de notre émotion? Est-ce que vous regardez le JT de 20h tous les soirs? Ça, ça vous nourrit l'énergie qui sont vraiment à basse vibration. Ça vous nourrit de peur. Nourrissez-vous plutôt, quand vous regardez la télé, de choses qui peuvent être légères, qui peuvent, c'est pas forcément des émissions sur la spiritualité, mais ça peut être quelque chose, vous regardez un truc qui vous fait rire, un film qui vous fait rire, un film qui va faire nourrir des émotions de partage, d'amour, un film, voilà, vous regardez Love Actually, vous sortez, ah, c'est super sympa, vous vous sentez mieux après, ok? Ça, c'est des choses qui font monter le niveau d'énergie. Donc ça, c'est tout ce qui rentre. Je vois qu'on regarde, on regarde le même type de film. Ben voilà. je suis très influencé par ma femme. Bah oui, c'est normal, hein, c'est un film de film. Mais c'est vrai qu'on regarde ce genre de film, c'est vrai qu'on sort de là. C'est pas juste qu'on a la banane, c'est qu'on se sent bien, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'en termes de vibration, effectivement, on s'est nourri de quelque chose d'hyper positif. Et quand on sort de là, on a envie d'aimer tout le monde. Tu vois, c'est. Ouais, ouais. Et pourtant, c'est qu'un film, et c'est une jolie comédie, mais c'est juste une comédie romantique. Mais ouais, ouais, ouais. Mais bien sûr, et tu sais, je vais te raconter une anecdote. Alors, j'ai regardé des films d'action, tu vois, c'est bien à la mode pour les mecs. Tu disais films de filles, films un peu romantiques, et films film action violente pour les garçons. C'est un peu la caricature. Mais j'ai regardé ça pendant longtemps. Mais tout simplement, je veux dire, des films un peu qui sont banalisés, en fait. Hein. Je parle pas de films d'horreur ou de choses comme ça. Mais pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de rêves que je faisais. J'avais une arme à feu dans les mains. C'est quand même incroyable. J'avais une machine à tuer dans les mains pendant la plupart des rêves que j'ai fait pendant des années et des années. Et pour moi, c'était banal. Ah ouais, j'ai rêvé que je shootais quelqu'un parce qu'il venait m'embêter. Parce que, non, c'est complètement dingue. Et à partir du moment où j'ai arrêté de regarder cette violence, eh bien, je ne fais plus de rêves comme ça. D'accord. Tu vois l'influence que ça a, parce que tu regardes, ok, tu vas te dire, ah ok, je regarde un film d'action, sympa. Bon, en fait, finalement, un film d'action. Regarde toutes les affiches de films qui sortent au cinéma, t'as pas un film, enfin hormis peut-être des films plus comédie ou enfin voilà, mais dans il y a tout un genre où t'as pas un film où sur l'affiche t'as pas une arme à feu. C'est quand même hallucinant, c'est quelque chose qui sert à tuer des gens. La violence est banalisée. On va tuer des personnes dans tous les sens dans les films. La violence est de plus en plus mise en avant. Enfin et la violence est de plus en plus mise en avant et banalisée. Et donc, en fait, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Tu sors du film, ouais, t'es peut-être dans des vibrations où tu te sens fort, mais se sentir fort, ça veut pas dire avoir des vibrations élevées. Ça veut juste dire être dans des énergies où t'as peut-être beaucoup de dynamisme, mais c'est des énergies qui sont quand même destructrices quand tu sors d'un film comme ça. Donc voilà, c'est juste pour partager une anecdote, c'est que vraiment, j'ai senti la différence. J'ai vu la différence dans ma vie à partir du moment où j'ai arrêté de regarder, que ce soit le JT ou que ce soit de ce genre de film, enfin, toute une catégorie de films, finalement. Et la violence n'est pas seulement physique comme ça, hein. Il peut y avoir des violences psychologiques ou autres, comme vous le savez. Donc, deuxième... Vas-y, excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose? Ça fait jouer la loi d'attraction? C'est-à-dire que finalement, ce genre de film, même ça attire des rêves et ça peut attirer... Je ne dis pas qu'il y a des situations avec des revolvers qui vont se présenter dans nos vies, mais du coup, on peut se retrouver peut-être témoin de ce genre de scène. Est-ce que ça peut attirer des choses comme ça dans nos vies qui nous font baisser en vibration? Oui, tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire attirer quelqu'un qui va nous braquer dans la rue, mais ça peut tout simplement dire attirer du conflit, tu vois. Voilà, c'est ça. Des situations de conflit. Donc oui, c'est sûr, c'est la loi de l'attraction, c'est complètement lié à ça. Ça vient t'imprégner des choses dans la tête
Donc faites attention en fait à tout ce qui rentre, à tout ce qui va venir dans votre tête, dans vos émotions, etc. Parce qu'en fait, ça marque et ça reste. Et tu crois du coup Alors, que si on regardait tous des comédies romantiques à la Notting Hill ou à Love Actually, tu crois que en sortant dans la rue, on aurait tous des paillettes dans les yeux et on se tomberait tous dans les bras? mais évidemment. Ah Ce oui, serait chouette. mais complètement. Regarde, tu sors de. Enfin, non, mais c'est dingue. Comme ça fait changer les choses, comme ça fait changer les émotions, ton humeur, etc. Tu prêtes attention, tu prêtes une différente attention, une attention différente aux personnes quand tu viens de regarder un film comme ça. Et bon, là, on parle de film, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être un livre, ça peut être des tas d'autres choses. Mais quand tu es dans des vibrations, quand tu baignes dans des vibrations qui sont des vibrations élevées, mais toi, automatiquement, tu les transmets aux autres. Et puis automatiquement, si tout le monde lisait ça, si tout le monde écoutait OK, on va dire, si tout le monde écoute du Mozart ou alors des musiques classiques qui ont des vibrations élevées, regarde ce genre de film le soir et puis aussi, enfin voilà, lis des livres qui sont dans des vibrations de ce type-là aussi, et bien forcément, il y aurait beaucoup plus d'apaisement. Regarde un peu toutes les relations conflictuelles qu'on voit à la télé. Tu vois, la violence, comme je te disais, c'est pas forcément des armes à feu. Tu regardes des séries télé. Girly, on va dire les séries pour les filles. On va dire que je caricature, hein, bien sûr, mais pour les garçons, on va dire que c'est toute la violence dont j'ai parlé avant. Mais il y a autant de violence dans les chicken flicks, comme on dit, dans les TV shows, dans les séries pour filles. Quand tu regardes un peu dans ces séries, enfin, les relations entre les personnes qui sont toujours en train de se quereller, il y a toujours des tensions entre parents, enfants. Entre les femmes qui se disputent les hommes, ou alors enfin, t'es toujours dans ce genre d'histoire, en fait. Enfin, beaucoup, je trouve. T'es d'accord avec moi ou je pars complètement? Tu as raison, tu as raison. Et finalement, la violence, elle est vraiment elle est verbale, en fait. Mais c'est de la violence, tout autant, quand tu vois enfin, et c'est complètement dingue, parce que parfois, je zappe un petit peu, juste par curiosité, pour voir ce qu'il y a à la télé, et je vois le nombre d'émissions, de films, de séries qui sont basées là-dessus, quoi, avec des querelles permanentes, permanentes, permanentes. Et quand tu vis dans cette violence, bah après, bah forcément, tu l'intègres, et puis toi, tu vis les mêmes relations que tu as à la maison. Eh Tu ben, vis les mêmes relations chez toi, quoi. c'est ça. Pour commencer à passer tous en 5D, on va demander à tous nos auditeurs de regarder Love Actually ce soir ou demain quand ils regarderont le replay. Et tout le monde sort en même temps après derrière. Voilà. Et comme ça, paf, il y a Voilà, mais des partout. exactement, exactement. Et après, on a des bonnes vibrations. Donc ça, c'est, tu vois, faites attention à tout ce qui rentre, toutes les énergies qui rentrent en vous. De quoi vous vous nourrissez avec un grand N, en fait. Ça, c'est hyper important. Ensuite, comment est-ce qu'on peut évacuer des énergies qui sont basses? Alors, évacuer des conditionnements. Il y a des trucs qui sont hérités de vos parents, de vos grands-parents, de tout votre. Voilà, il ne faut pas leur rejeter la faute. C'est comme ça. C'est votre problème à vous. C'est pas la peine de leur remettre le truc sur eux. Vous avez aussi certainement transmis d'autres choses comme ça. Mais peu importe. Comment faire sortir ces conditionnements? Comment faire sortir ces peurs? Comment faire sortir des croyances limitantes, des doutes? Bon, bah là, il y a des pratiques que vous pouvez faire. Bon, j'en parle d'une, c'est Ho'oponopono. Il y a différentes pratiques qui permettent, que vous pouvez faire de manière en solo et qui permettent de vous libérer de certaines choses, qui permettent de vous alléger de certaines vibrations, de certaines mémoires qui sont inscrites en vous. Et ça va vous alléger. Et puis, il y a évidemment, et j'en parle parce que bon, je suis quand même bien placé pour en parler, mais allez voir quelqu'un, allez voir un thérapeute ou d'autres, voilà, d'autres types de personnes, il y en a plein. Ils peuvent vous aider à faire sortir des choses, à vous libérer de vos plus gros blocages, de vos plus gros fardeaux. Parce que ça, énergétiquement, une fois que vous aurez supprimé, que vous serez libéré de vos plus gros fardeaux, de vos plus grosses blessures, et je parle bien sûr, il y a des blessures conscientes, mais la plupart des blessures, c'est des blessures inconscientes. Quand vous vous en serez libéré, waouh, vous serez tellement plus léger énergétiquement qu'après, même votre évolution spirituelle accélérera après ça. Donc voilà, il y a tout ce qui rentre, faites attention à tout ce qui rentre. Faites sortir les choses aussi, mais ça se fait. Enfin voilà, c'est à vous de prendre. C'est pas d'autres personnes qui vont le faire pour vous. Il faut poser des actes pour ça. Aller voir quelqu'un si vous souhaitez vous faire. Et de toute façon, il faut se faire aider à un moment ou à un autre, mais il y a aussi des choses que vous pouvez faire par vous-même. Et puis la troisième chose, et après, je vous proposerai qu'on vive quelque chose ensemble, un soin énergétique. Mais la troisième chose,
C'est comment entretenir et comment développer des énergies qui sont déjà présentes. C'est-à-dire que c'est la multiplication dont je parlais un petit peu plus tôt, la transmutation d'énergies qui sont en nous. Bien sûr, on parle des énergies, des belles énergies, des énergies positives. Oui, alors on parle alors tu sais, alors j'ai une conception quand même des choses. Alors je parle d'énergie négative, d'énergie positive, bien évidemment, mais quand même, toute énergie, c'est de la conscience, et même des énergies qui sont négatives, c'est de la conscience qui ne sait pas. C'est de la divinité qui ne s'est pas reconnue non plus. Et D'accord. donc, si tu veux, pour moi, il n'y a rien qui fondamentalement est méchant. On est tous, tout ce qui est, c'est divin. Mais il y a de la divinité qui ne s'est pas reconnue. Hein. La peur, si tu regardes des énergies de peur, et moi, je le vois comme ça quand je fais des soins énergétiques, des énergies de peur, alors je vois des choses sombres, etc. Mais quand tu arrives à faire prendre conscience à cette peur, qu'elle est peur et qu'elle est divine et qu'elle prenne un peu de recul, cette peur va se transmuter. Tu vois, elle va changer, elle va devenir lumière. En fait, c'est ça, finalement, c'est la transmutation. C'est changer D'accord. des énergies qui sont présentes ou alors des énergies qui sont déjà pas mal, mais les faire monter encore plus. C'est la transmutation, apporter de la lumière en soi. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, des choses concrètes, très simples, vraiment simples, mais il faut quand même se donner les moyens. Il n'y a rien qui arrive, qui tombe du ciel. Mais la méditation, pratiquer la méditation, même un petit peu chaque jour, même 10 minutes chaque jour, ça change la vie, ça change plein de choses. C'est prouvé par la science au niveau des neurones, etc. Mais c'est bien plus profond que ça encore. La gratitude, exprimer de la gratitude et prendre l'habitude de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide dans sa vie. Et savoir exprimer de la gratitude pour tout ce qui nous est arrivé dans la journée, à la fin de la journée, même s'il vous est arrivé des tuiles. Savoir reconnaître que ces tuiles, eh bien finalement, elles auraient pu être pires. Ou alors qu'elles vous ont donné une leçon, et que cette leçon, et vous sortez de cette leçon, vous grandissez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cultiver un état d'esprit qui est différent, aller dans des vibrations élevées. Alors, on médite, on fait de la gratitude. Essayez de prendre des choix qui sont. Ayez conscience de vos choix. Faites attention à ce qui gouverne vos choix. Quelles sont vos réelles intentions, vos réelles motivations quand vous faites un choix? Posez-vous cette question. Et est-ce que votre motivation pour faire telle ou telle activité professionnelle ou pour faire telle ou telle chose, est-ce que c'est l'appât du gain, vouloir paraître mieux? Est-ce que c'est ce type de vibration ou est-ce que c'est des vibrations qui sont très saines, votre propre évolution personnelle, faire le bien autour de vous, etc. Quelles sont vos motivations réelles quand vous faites quelque chose? Posez-vous cette question et puis ensuite, vous pourrez vivre davantage de manière alignée et de manière juste. Et puis encore une chose, voilà, donner, hein, donner, ça selon la loi de l'attraction, vous donnez tout ce que vous émettez, tout ce qui sort de vous, vous allez le recevoir. Donc en fait, si vous donnez des choses sans attente en retour, et donner, c'est pas forcément donner de l'argent à la personne qui est en bas de la rue, c'est tout simplement donner un sourire à cette personne ou à d'autres personnes. Mais donnez de la gentillesse, donnez des belles vibrations et puis vous les recevrez. Vous les recevrez, vous les recevrez même au centuple. Et votre vie, en fait, va se transformer. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, enfin, sur comment, pour répondre à ta question, sur comment, en fait, on peut vivre davantage dans les énergies 5D, tout ce qu'on peut mettre en pratique. Donc, encore une fois, faire attention à tout ce qui rentre énergétiquement, faire sortir tout ce qui doit être sorti ou travailler là-dessus et puis ensuite entretenir les choses pour les faire monter. Ouais, tu as tout à fait raison. Et sur la gratitude aussi, ce qui est ce qu'on peut-être on peut oublier parfois, c'est que malgré les épreuves qu'on peut vivre, la gratitude, c'est tout simplement de dire bah voilà, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai à manger dans mon assiette, je peux me laver, enfin revenir à des choses comme ça qui ont l'air assez essentielles, mais que tout le monde n'a pas. Donc on peut, même quand tout va mal, on peut au moins se dire bah au moins voilà, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai une maison, je suis pas à la rue, quoi. Déjà, ça c'est pas que ce soit pas forcément quelque chose d'acquis, c'est pas quelque chose d'acquis pour tout le monde, donc ça paraît évident, mais en fait, déjà rien que ça, il peut y avoir une vraie gratitude par rapport à ça. Exactement. Et puis tu sais, il y a une belle équation, c'est gratitude fois moment présent égale bonheur. Je suis pas mal matheux ce soir. Mais si tu regardes, si tu te concentres, effectivement, ce que tu dis, la gratitude, c'est pour ce qui est. En fait, ça te ramène dans le moment présent. Et en fait, dans le moment présent, ok, qu'est-ce que tu as là? Est-ce que tu as un besoin de quelque chose en plus? Non, tu l'as dit, tu as un toit, tu as de quoi manger aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Ben non, en fait, tes besoins sont comblés. Par contre,
Là, ce qui va pas, si c'est de faire des projections et te dire, ah mince, dans 3 jours, je risque de pas arriver à terminer mon mois avec suffisamment d'argent, etc. Donc, c'est des projections, c'est des peurs qu'on projette, mais ce n'est pas la réalité du moment. Et donc, en fait, la gratitude, c'est pour ce qu'on a là maintenant. Et c'est une super équation parce que ça nous permet de revenir, pouf, on revient dans le présent, on est content pour ce qu'on a, parce qu'après tout, ça nous suffit là maintenant. Et le besoin de dans 3 jours, eh ben, en fait, on n'en est pas encore là. C'est pas besoin de s'alourdir avec ça. Ok, super. Super. Alors, Ivan, je crois que tu vas nous offrir un soin en direct. Oui, Alors, ça y est, un soin en direct. Alors, je vais répondre, s'il y a quelques questions, je vais les prendre maintenant et écoute, après, je te les ai posées au fur et à mesure. Donc, D'accord, ok, bon, bah, c'est super. donc voilà. Et du coup, avant de faire ce soin, est-ce que je vais mettre en ligne l'offre vers les soins que tu proposes, qui sont des soins évidemment payants. Si tu veux juste peut-être en dire quelques mots pour que nos auditeurs puissent hop. Oui, tout à fait. Alors, sur le lien que tu vas envoyer, on retrouve différents soins que j'ai pu, des soins qui sont sous format audio et que j'ai pu concevoir. Donc, en fait, ces différents soins, c'est vraiment des soins énergétiques avec mes intentions. Et quand je fais un soin, c'est pas moi, mon énergie, hein. Je canalise des énergies. Donc, en fait, ces énergies sont encapsulées dans un fichier audio. Quand on écoute cet audio, c'est comme si on ouvre le cadeau du soin énergétique et là, on reçoit le soin énergétique. Et la bonne nouvelle, c'est que comme c'est encapsulé dans quelque chose, dans un audio, c'est qu'on peut l'écouter autant de fois qu'on veut. Et donc, D'accord. en fait, ces soins, alors, moi, ça fait un moment que je fais ça. Le fait de les encapsuler dans des audios, etc., c'était des choses qui étaient canalisées. En fait, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont créées, mais qui n'ont pas été créées par moi, Ivan. Ça a été en collaboration avec d'autres énergies bien plus élevées. Et donc, en fait, ces soins, je les ai développés spécialement pour aider les personnes. Et donc, en fait, il y a plusieurs. Alors, ils se font, la plupart d'entre eux se font sur fond de tambour chamanique. Ah. Donc, c'est-à-dire que vous entendez le son du tambour, boum, 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 boum. Alors, au début, c'est rapide. Et puis après, par-dessus, il y a ma méditation guidée. Mais en fait, la méditation guidée, c'est fait dans un état où j'accueille ce qui vient. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous faire un peu plus tard ce soir. C'est-à-dire que je ne sais pas à l'avance ce que je vais dire, c'est pas quelque chose que je lis par-dessus, c'est quelque chose, voilà, je fais comme ça vient, et les énergies sont là, et les énergies agissent. Donc, en fait, il y a plusieurs soins que j'ai fait comme ça, il y a des milliers de personnes qui ont testé ces soins audio et qui m'ont fait des retours qui sont très positifs. Et donc, en fait, il y en a plusieurs, et je suis en train d'en développer d'autres, après vous le retrouverez un peu plus tard sur la page, sur cette même page. Mais disons que là, il y en a déjà qui sont pas mal, dont un qui s'appelle Accueillir le changement dans la paix. C'est un soin qui est particulièrement de circonstances et qui est assez proche du soin que je vais vous faire ce soir. Donc ce soir, ça va être un petit peu plus court. Mais disons que voilà, un soin qui s'appelle Accueillir le changement dans la paix. Il y en a d'autres. Il y a des supports de méditation, des musiques méditatives, une musique qui est très très bien que j'ai mise en ligne il y a vraiment 2 ou 3 jours, qui s'appelle La Flamme du Tout Amour. Ça, c'est une musique qui a été co-créée. Alors, c'est pas sur fond de tambour chamanique, c'est une musique qui a été co-créée avec un compositeur qui a pris mes intentions et qui les a encapsulées dans un audio qu'il a créé. C'est absolument magnifique. Cette musique, elle dure 36 minutes. C'est un soin à elle toute seule. Et enfin, c'est vraiment voilà, c'est vraiment des choses, en fait. Ces audios, c'est des audios qui agissent et qui sont là pour vous libérer de différentes choses, de peur, de doute, de conditionnement, de croyances limitantes, de mémoire d'une manière générale. Ça vous libère, ça vous allège, en fait, énergétiquement. Ça Voilà. donne envie de tous les faire, là tout de suite Oui, maintenant. alors tu vois, je ne me rendais pas compte, mais là j'ai fait un truc, j'en ai parlé pendant 5 minutes, mais c'est juste parce que je suis passionné. C'était hyper vendeur du coup. Non, mais c'est oui, bah oui, je suis passionné. Enfin, en fait, c'est ce que je fais. Hein, c'est mon métier. Mon métier et mon don même, mon don que j'exprime, c'est des choses, voilà, c'est d'aider les gens à faire des soins énergétiques. Donc voilà, je propose certains soins sur le lien que tu envoies. Et bien, à côté de ça, si vous êtes prêts. C'est toi qui joues du tambour? Sur ses soins? Le tambour C'est moi chamanique. qui joue du tambour sur ces soins. Oui, tout à fait. Oui. J'ai un tambour chamanique. Alors, tu vois, il y a quelque temps, alors, on évolue tous, hein, comme j'ai dit tout à l'heure.
On évolue tous et pendant un bon moment, j'ai fait beaucoup mes soins avec un tambour chamanique. C'est-à-dire que ça, j'aimais beaucoup les vibrations que ça dégageait, etc. Là, voilà, je l'ai fait différemment. Aujourd'hui, quand je fais des soins, j'ai la plupart du temps, j'ai pas de support. Et là, dernièrement, il y a vraiment 2, 3 semaines, je commence à créer des choses avec des audios que je fais développer par cette personne que j'ai rencontrée récemment. Enfin, bon, j'en ai parlé pour le soin. La flamme du tout amour hein, que vous pourrez trouver sur le lien que Muriel m'a envoyé. Et donc, du coup, là, ça va peut-être être une nouvelle façon de travailler pour moi. Mais voilà, quand je donne un soin, la plupart du temps, enfin, moi, je n'ai pas besoin de support. Le soin passe sans support. Les supports, ça aide et ça rajoute des couches d'énergie aussi. Et donc, pour la personne qui reçoit, ça peut être un peu plus sympa. D'accord. Et est-ce que tu chantes? Non, je ne chante pas. Mais tu sais quoi? Il faudrait que je. Enfin, c'est quelque chose, c'est une bonne remarque parce que j'ai toujours été attiré par le chant. Et je pense qu'un jour ou l'autre, je vais me mettre à chanter juste pour le plaisir, comme ça, pour apprendre à chanter. Mais je pense qu'il y a quelque chose vibratoirement que je pourrais aussi transmettre par la voix. Oui. Voilà, j'ai pas encore exploré ça. Je ne vais pas le faire dans un futur proche parce que j'ai d'autres projets, d'autres choses qui sont prévues, entre guillemets, ou qui sont inspirées. Mais je sais que je viendrai à ça un jour ou l'autre. Merci pour la question. Et d'ailleurs, le fait que tu le mentionnes, ça vient me faire un petit rappel pour ça. En plus, je connais des personnes qui font ça et je pourrais tout à fait leur demander leur aide ou de me former là-dedans, de m'aider. Et ben voilà, rendez-vous est pris. Voilà, exactement. Exactement. Pascaline, si tu me regardes, je vais te faire un coucou bientôt. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêt à recevoir le soin? On Ok, est super. Très bien. Préambule, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça va durer peut-être une quinzaine, une vingtaine de minutes maximum, je dirais. Je ne pense pas le faire durer plus longtemps. On verra comment ça se présente. Au moment où je vous parle, je ne sais pas encore ce qu'il y aura dans le soin. Il va être fait au fur et à mesure. OK. Ce que je vous invite à faire, là, juste avant, et puis après, je vais commencer. Là, vous voyez, je commence à me mettre, j'ai retiré mes lunettes, je commence à fermer les yeux. Ça va être de vous installer confortablement. Vous pouvez soit vous mettre allongé avec des oreillettes, c'est plus facile avec des oreillettes. Soit vous pouvez rester assis, le dos droit. Si vous êtes assis, les pieds posés à plat sur le sol, les jambes décroisées. Et puis, quand vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Et visualiser à l'inspire l'énergie qui vient du centre de la Terre et qui monte en vous tout au long de l'inspire. Qui monte à travers vos jambes, qui monte à travers toute votre colonne vertébrale, tous vos chakras, et qui monte jusqu'au sommet de votre tête. Et à l'expire, cette énergie va redescendre en faisant le circuit inverse et va rejoindre le centre de la Terre. À l'inspire, c'est une belle énergie douce et lumineuse qui vous remplit et qui vous nourrit. Et à l'expire, le reflux emmène avec lui vos énergies usées qui vont être transmutées par la terre. Vous pouvez rester quelque temps sur cette visualisation. Et cette conscience du lien que vous avez, que vous renforcez avec la terre-mère. Mes intentions sont là, vous accompagnent vers davantage d'enracinement. Vous prenez davantage conscience du lien que vous avez avec la terre-mère
du fait que vous êtes une cellule de la Terre-Mère et vous en faites partie. Et la Terre vous nourrit et vous apporte tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Et vous prenez conscience de la place que vous avez sur Terre. Comme je l'ai dit précédemment, nous sommes tous des cellules de la Terre-Mère. Chaque cellule est à sa place. Chaque cellule apporte des choses à toutes les autres. Vous êtes chacun, nous sommes chacun à notre place. Et nous prenons davantage conscience de cela, conscience de la place qu'on a sur Terre. Peut-être de la mission qu'on a à y exercer. Ne sommes pas là en vain. Nous sommes là pour évoluer. Et nous sommes également là pour les autres. Et cela peut s'exprimer de beaucoup de manières différentes. Vous continuez de visualiser l'énergie qui vient du centre de la Terre à l'inspire qui monte en vous et vous la faites cette fois monter jusqu'au ciel. Et à l'expire, l'énergie va descendre du ciel, vous traverser à travers tous vos chakras et rejoindre le centre de la Terre. Nous sommes à présent davantage enracinés, davantage ancrés. Et nous allons davantage nous connecter à présent, nous connecter par le chakra couronne aux énergies célestes. Et je vous laisse, en votre fort intérieur, peut-être ressentir et apprécier cette connexion qui est en train de se développer. Ce sont beaucoup de fleurs qui descendent du ciel et qui viennent nous toucher, qui rentrent à travers le chakra couronne et qui vont nous toucher à notre cœur. Nous recevons une bénédiction céleste en ce moment même. Notre cœur sur lequel agissent les énergies de guérison. Vous pouvez toujours garder une partie de votre attention sur ces énergies qui montent et qui descendent, sur la respiration du ciel et de la terre qui passe à travers vous, et porter une partie de votre attention également sur votre cœur qui est en expansion, votre cœur sur lequel travaillent ces énergies de guérison en ce moment même.
Peut-être sentez-vous comme un voile qui s'ouvre, qui disparaît, des contraintes qui disparaissent au niveau de votre cœur, pour plus d'espace, pour plus de liberté, pour plus de rayonnement. Et à présent, ce sont d'autres choses qui vont se libérer. Je vais notamment travailler sur les liens qui peuvent vous unir à des égrégores, les liens négatifs qui peuvent vous unir à des personnes. Par exemple, des liens de dépendance ou des liens qui vous unissent à d'autres formes d'énergie et qui sont néfastes pour vous. Je vais vous demander d'amener votre attention tout simplement, sans chercher à mentaliser, de faire venir devant vous, mettez simplement votre attention et faites venir devant vous tous ces liens négatifs qui vous relient à des personnes, à d'autres formes d'énergie, à des égrégores, et qui sont néfastes pour vous. Par votre intention, faites-les venir devant vous. Et nous allons les dissoudre ensemble. Par le pouvoir de notre intention et avec l'aide d'êtres de lumière qui sont avec nous en ce moment même. Vous pouvez, si cela est difficile, visualiser ces liens par tout simplement votre imagination. Peut-être voyez-vous des énergies ou avez-vous tout simplement l'intuition que des énergies sombres sont devant vous. Ce sont les énergies que vous avez appelées. Et maintenant, nous faisons en conscience, nous amenons ces énergies de guérison sur ces liens et nous les laissons les dissoudre. Observez la lumière qui se dégage, la lumière qui dissout ces liens, vous libère. Je bâille, c'est une façon, c'est les énergies qui se dégagent, les énergies qui se libèrent. Peut-être ressentez-vous intérieurement, cela peut être au niveau du cœur, au niveau de la poitrine, peut-être ailleurs aussi, des libérations se produire. Il n'y a pas nécessairement de ressenti physique. Les choses agissent tout de même. Et à présent, nous voyons les énergies de la terre monter, les énergies du ciel descendre en nous.
Nous nous retrouvons dans une tornade de lumière. La lumière terrestre et la lumière céleste se rejoignent au niveau de notre cœur et tourbillonnent. C'est un vortex qui tourbillonne, un vortex de vie au sein duquel nous nous trouvons. Et qui vient transmuter des énergies en nous, qui nous apporte de la lumière, qui nous apporte davantage de vie. Peut-être pouvez-vous ressentir des choses. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement rester sur cette visualisation du vortex de lumière au sein duquel vous vous trouvez maintenant et qui agit, qui transmute ces énergies en vous. Et à présent, mes chers amis, vous pouvez rester centrés dans vos cœurs, à l'écoute de ce qui se passe en vous, pendant que je vous prends et que je vous emmène dans mon cœur, pour y recevoir un bain de lumière. Je suis plein de gratitude. Et je vous remercie infiniment d'être là, d'accueillir ce soin. Et je remercie infiniment les êtres de lumière qui sont avec moi et à travers, et dont je suis le canal pour vous toucher vous ce soir. Vous pouvez revenir dans votre corps, peut-être sentir vos jambes, le contact de vos pieds sur le sol, le contact de l'air sur votre peau. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez, à votre rythme, réouvrir les yeux. Non, on a beaucoup, beaucoup baillé. Oui, j'ai entendu, enfin, je t'ai entendu, toi. Oui. Moi aussi, beaucoup bâillé. J'ai même mon nez qui est coulé un petit peu. Oh. En fait, à chaque fois que je fais des soins, il y a des libérations, ça passe comme ça à travers moi. L'ébahissement, c'est vraiment un signe de libération. C'est on a lâché quelque chose. Oui, alors c'est pas du tout un signe qui est obligatoire, hein. Les personnes, enfin même, je pense que c'est une minorité de personnes qui bâillent, mais quand il y a des bâillements lors d'un soin comme ça, et comme je t'ai entendu les faire à répétition, oui, c'est clairement qu'il y a des choses y a des choses qui se nettoient, tout à fait. J'ai fait attention à ne pas les faire trop fort, mais voilà. Oh, j'entendais avec les oreillettes, mais moi-même, j'étais en plus devant le micro. C'est vrai que je peux pas faire, en plus quand je fais un soin, voilà, je maîtrise pas ces choses-là. Cas, Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que tu vois des... Je vois pas le chat en direct.
Non, non, mais je vais te raconter un petit peu. Il y a vraiment cette connexion à la Terre qui était là, qui était très forte au début pour les personnes. Oui. Et avec quelque chose de, ouais, de très ancré, de très terrestre. Et puis avec quelque chose qui s'est beaucoup plus ouvert après, quand tu nous as fait nous connecter à la lumière d'en haut. Comme si, voilà, comme si on était à la fois ici, mais en même temps, comme si on était un peu élevé, un peu. Tu vois, voilà, comme s'il y avait une connexion, une forme de connexion différente, comme si on se grandissait tout en étant ancré à la Terre. Ouais, c'est ça, et c'est très important de faire ça comme ça. Et parce que si tu veux s'éveiller à la 5D, le danger, ou si on le fait mal, ou si on ne sait pas faire, c'est on peut devenir perché. On peut aller dans des choses spirituelles et puis passer complètement à côté de sa vie sur Terre. Et on est là, on est incarné, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on doit, on est là pour vivre une expérience terrestre, pour être dans son corps. L'enracinement est très très important, même davantage que la connexion en fait. C'est d'abord vivre, vivre sur Terre. Et quand on est suffisamment enraciné, là on peut développer sa connexion. Et là il y a un équilibre qui fait que là en ce moment je vous parle et je suis pas à 20 000 km. Là je parle, je suis bien dans mon corps. Et je pense que vous l'êtes aussi quand on fait le travail. Enfin, et je fais toujours le travail dans cet ordre-là, bien entendu. C'est d'abord l'enracinement pour justement, comme tu l'as dit très justement, pouvoir se grandir, mais en étant rattaché à quelque chose et en étant pleinement dans notre corps. Est-ce que je dis une bêtise là? Incarné, carné, ça veut bien dire la viande. On est un Oui, dans incarné, ça veut dire dans la matière, dans son corps. Oui, tout à fait. incarné. Ok. Alors après aussi beaucoup d'émotions quand tu nous as fait couper les liens avec Ah les oui. choses un peu lourdes. Oui. Beaucoup d'émotions. Ouais. Ça peut provoquer des pleurs tout ça. Hein. Alors oui, un son énergétique, ça peut provoquer des pleurs, ça peut provoquer même des tas de choses qui peuvent vous arriver même ce soir, demain, comme des tas de choses. C'est-à-dire peut-être que vous sentirez que vous dormez différemment cette nuit, peut-être que vous sentirez que vous dormez beaucoup plus profondément, peut-être au contraire que vous aurez une nuit un peu plus difficile. Les sons énergétiques, quand on les vit, et particulièrement quand on n'a pas l'habitude, mais même quand on a l'habitude, et il suffit que ça touche quelque chose qui, une chose assez importante. Eh bien, ça peut générer j'appelle ça, c'est comme une crise de détox, hein. Quand on fait un jeûne, le jeûne, c'est très bon pour la santé. Au bout de 3 jours, on se retrouve avec des douleurs partout, on peut avoir des boutons qui sortent, etc. Certains pourraient dire, ah, c'est une maladie. Mais en fait, non, c'est tout simplement que le corps expulse des choses parce qu'il se nettoie. C'est la même chose avec un soin énergétique. On expulse des choses. Ça peut se faire immédiatement par des émotions, des pleurs. Et ça peut se faire aussi, voilà, ça peut se faire ce soir ou demain. Peut-être que vous pourrez ressentir des choses, peut-être que, voilà, il y a des émotions. Peut-être que vous serez plus à fleur de peau, ou au contraire, peut-être que vous serez plus détendu. Mais vous sentirez sans doute, enfin, vous pourrez sentir des changements. Sachez que ces changements, qu'ils soient, enfin, les changements, qu'ils soient agréables ou non, c'est temporaire, cette période de changement, mais c'est pour vous amener vers quelque chose de meilleur, de plus léger, en fait. C'est ça, donc il peut y avoir une sorte de période de transition, par exemple pour les personnes que ça a fortement émotionné, en étant conscient que voilà, il y a quelque chose qui se libère, ça peut prendre un peu de temps avant de s'incarner, peut-être, en nous, mais Oui, c'est clairement, ça. ça va se poser. Et C'est que quand ça. ça se posera, on aura évolué. On aura grandi. Exactement. Exactement. Il y a des choses qui se sont libérées. Il y a un nouvel équilibre qui vient s'intégrer. Cette intégration, elle ne se fait pas pendant les 15 minutes de soins que j'ai faites. Elle a commencé et elle met quelques jours pour pleinement s'intégrer. Et donc, on peut sentir, mais généralement, enfin, rassurez-vous, déjà, c'est dans une minorité des cas. Qu'on sent des dysfonctionnements, des troubles ou voilà, qu'on est un petit peu gêné par un soin et ça dure 1 ou 2 jours. Dans la plupart des cas, c'est très rare que ça aille au-delà. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir un soin énergétique et pendant 4 jours, j'ai eu des symptômes grippaux. Oh, bah, celui-là, il avait nettoyé des grosses choses. C'est pas grave. Donc j'avais de la fièvre, des courbatures, etc. Mais ça a commencé 2 heures après le soin et puis après, j'étais dans un état où j'ai beaucoup dormi et j'étais comme ça. Mais je savais que c'était le soin, j'étais pleinement confiant. Donc restez en confiance si vous arrivez certains troubles. Mais généralement, voilà, l'exemple que j'ai donné, il est très fort et tout le reste des soins que j'ai reçus, ça n'a pas du tout eu des impacts aussi forts. Et sinon, il y avait vraiment au moment du vortex là, au niveau du chakra du cœur et au moment où tu nous as emmenés dans ton cœur, enfin voilà, il y avait une vraie expansion, quoi. Il y avait un vrai apaisement. Il y avait à la fois un apaisement
et comme une forme d'expansion de conscience, comme si c'est un peu ce dont tu parlais en début de conférence, mais voilà, quand on est conscient de tout ça, bah voilà, il y a une expansion de qui on est, quoi. Je sais pas, que voilà, et les gens ils disent expansion de conscience, tu vois, c'est, ouais, c'est si on était plus grand, plus voilà, relié à tous, mais tu vois, on voit pas mes bras, mais mais voilà. Ouais, je le vois comme, enfin je le sens quand même. Mais oui, tout à fait. En fait, il y a eu un travail sur l'ouverture du cœur. Il y a eu quelque chose qui a été libéré aussi au niveau du cœur. J'ai vu, et c'est pour ça un moment, j'ai dit, tiens, vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui se libère à ce moment-là. C'est qu'il y avait comme quelque chose collectivement, hein, qui était contraint, qui était, que j'ai vu devant le cœur, qui venait un peu le contraindre son expansion, empêcher qu'il brille pleinement, qu'il ressort pleinement. Donc, que les énergies du soin ont dissoutes. Et donc, du coup, ouais, il y a eu cette expansion, comme je dis. Alors, au niveau du cœur, mais aussi au niveau de la conscience. Ouais, c'est ça. Après, il y a eu l'autre truc qu'il fallait que je fasse. Enfin, voilà, il y a eu trois choses importantes, on va dire. Il y a eu ce travail sur les liens qui s'imposaient là ce soir. Et puis, ouais, terminer dans mon cœur. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est quelque chose aussi qui m'a été, c'était un cadeau divin, hein, qui m'a été fait. C'est une technique, enfin voilà, que j'ai complètement canalisée, et à la fin des soins, j'aime emmener toutes les personnes dans mon cœur pour transmettre encore des choses. Et là, je sais qu'il y a un gros travail, il y a des choses qui se passent. Je sais pas forcément quoi. Là, je sais pas ce qui est parti. Il y a pas de choses particulières qui sont. J'ai plus l'information de choses particulières, mais il y a de la transmutation qui a continué à se faire à ce moment-là. Ouais. Mais quel grand cœur tu as. Alors, écoute, dans le cœur, c'est placé. Enfin, ça, c'était vraiment un cadeau. Enfin, pour te raconter comment ça s'est passé, il y a peut-être un an et demi ou un peu plus d'un an et demi. Je suis en voyage méditatif, et puis là, il y a quelque chose. On me dit, il y a Dieu qui me parle, hein, et qui me dit, j'ai un cadeau pour toi. Ça concerne les soins énergétiques. Tu peux soit accepter, soit refuser. Alors, je dis, bon, bah. Et il me dit, si tu acceptes, il faudra en faire usage. Ouais. J'ai dit, bon, bah, ok, moi j'accepte le cadeau, pas de problème, j'en fais usage. Et puis, donc voilà, ça a été de mettre de la lumière dans mon cœur pour faire venir les personnes et faire des guérisons comme ça. Donc, en fait, voilà, c'est une partie des soins que je fais. J'adore le faire systématiquement, moi ça me nourrit, et puis je sens que mon cœur s'ouvre en fait quand je fais ça. Oh là là, super, quelle hospitalité! Ah ben c'est mon plaisir, hein, vraiment, moi j'en bénéficie tout autant, tu sais. Donc, c'est vraiment mon plaisir, mon plaisir, ma mission, voilà, je suis pleinement aligné quand je fais des soins. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? On était tous dans le cœur d'Ivan. Quoi? Ouais, c'est ça. Il y a de la place pour du monde, ne hein, vous inquiétez pas, il y a de la place pour tous ceux qui le souhaitent. Et alors, question là qui est posée, donc là on vient de le faire ensemble en direct, ça va travailler, ça va continuer à infuser. Est-ce que du coup, parce qu'il va y avoir le replay, est-ce que c'est un soin par exemple qu'on peut refaire régulièrement? Puisqu'on pourra regarder le replay quand on veut. Est-ce que tu conseilles, par exemple, de le refaire une fois par semaine? Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, vous pouvez tout à fait reprendre le replay pour revivre ce soin que j'ai donné. Le soin est à présent encapsulé dans la vidéo. Hein, tout comme je parlais des soins audio tout à l'heure, j'encapsule les intentions du soin. En fait, il y a les énergies qui sont là, qui sont dans un paquet cadeau. Ce paquet cadeau, vous pouvez l'ouvrir quand vous voulez. Ce n'est pas une fois, hop, c'est déballé, c'est fini. C'est... À chaque lecture que vous faites, vous pouvez écouter ce soin. Il y a une chose qui est très importante, c'est que pour recevoir un soin énergétique, il faut que vous soyez vous-même demandeur de ce soin. Il faut que vous l'acceptiez intérieurement. Faites ça à un moment où vous vous donnez du temps, où vous vous consacrez à ça. Si vous le faites en dilettante, vous regardez comme ça en dilettante, il n'aura pas d'effet, ou alors il aura peut-être 2-3% des effets. Mais par contre, si vous y mettez l'intention de vous relier aux énergies du soin et que vous le vivez en replay, vous aurez exactement la même chose. Et ça ne va pas transmuter les mêmes choses exactement. Il y aura un travail qui se fera sur d'autres choses, sur d'autres liens, ou des liens qui sont peut-être créés entre-temps. Ou alors, les transmutations, ça va travailler sur d'autres choses, en fait, à d'autres niveaux. Donc, vous pouvez le revivre et n'hésitez pas. Voilà, mais en étant dans des conditions de calme et de concentration, c'est-à-dire pas quand on va au travail, quand on est dans le métro ou dans les transports avec plein de gens autour. Ben évidemment, mais en fait, tu sais, c'est un peu normal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien, enfin, c'est pas une baguette magique et on ne peut pas demander à d'autres personnes, tiens, vas-y, éveille-moi, ou alors vas-y, fais-moi ci, fais-moi ça, enlève-moi ça. Ça demande de l'engagement, ça demande
ne serait-ce qu'un, enfin, ouais, ça demande son engagement intérieur, quoi. Donc sa pleine présence pendant le soin. Et c'est complètement normal. Oui, ça demande, c'est ce que tu dis, mais ça demande d'avoir une demande. Si on n'a pas de demande, il ne se passera rien, en fait, Bah, puisque... si vous n'avez pas envie de recevoir, alors pas forcément une demande spécifique, mais ça peut être juste, voilà, l'engagement à recevoir un soin. Oui, là, je vais me consacrer, je vais me relier aux énergies du soin d'Ivan. Ok, là, j'y vais, je me mets dans un moment où je suis en, j'ai 20 minutes devant moi, personne ne va me déranger, je coupe le téléphone et allez hop, j'y vais. Et là, je me mets pleinement dedans. Et donc, en fait, c'est l'engagement, c'est l'intention qu'on pose de recevoir le soin. Et ça, en fait, ce que vous recevez, c'est vraiment proportionnel à votre, à l'engagement, à ce que vous y mettez. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et une fois que vous avez ça, après le soin, bah, les énergies sont là, vous pouvez vous y relier, en fait, à tout moment via ce replay. Ok, est-ce qu'il y a besoin de mettre une intention particulière, à part le fait de, par exemple, est-ce que si on a un sujet sur lequel on travaille en ce moment, est-ce qu'on peut mettre une intention en plus du simplement le fait de recevoir un soin? Est-ce qu'on peut mettre une demande un peu précise ou pas? Oui, vous pouvez rajouter une demande spécifique qui vous concerne, et donc il y aura une action dessus. Alors, allez-y, je vous encourage à le faire. Dans ce soin que j'ai donné, il y avait quand même des intentions qui étaient là. Alors, c'est un travail au niveau du cœur, au niveau de lien. Il y a d'autres types de soins où je prévois. Le fait que les intentions et les demandes des personnes soient exaucées et qu'il y ait un travail dessus. Mais là, je suis persuadé que ça vous arrivera quand même avec ce soin qu'on a fait là ce soir. D'accord. Et alors justement, c'était un peu le cadeau que tu voulais faire à tous nos auditeurs, mais pour toutes les personnes à qui ce soin a parlé, et visiblement elles sont nombreuses, et j'en fais partie, voilà, tu vas tous les auditeurs qui sont là vont recevoir un mail, bon, il y aura le replay, puis dans quelques temps, là dans la semaine, ils vont recevoir un autre mail pour justement avoir accès à tous les soins que tu proposes en illimité, gratuitement, toutes les semaines, je crois, sur ta chaîne YouTube. Et donc ils pourront s'abonner, ils pourront s'abonner pour recevoir ces soins que tu proposes toutes les semaines. Voilà, tout à fait. Oui, chaque semaine, je propose des soins collectifs gratuits et j'ai un grand plaisir à le faire. Et c'était même, enfin voilà, c'était une demande de là-haut de les faire. Et donc chaque semaine, je propose ces soins collectifs qui ne se font pas de cette manière. Ils se font pas via une vidéo. C'est simplement, je vous dis, ok, tel jour à telle heure, il y a un soin. Vous, de votre côté, vous êtes invité à méditer. Il y a même des supports que je vous donne pour ça, pour méditer. Si vous souhaitez méditer avec une musique, je vous donne la musique. Vous pouvez méditer de votre côté ou avec d'autres supports, c'est pas grave. Mais vous recevez le soin si vous posez l'intention et si vous vous inscrivez. Donc oui, ça va faire partie de l'email prochain que tu envoies donc à vous tous, à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Ça me fait un grand plaisir de faire ça. C'est une mission aussi de faire ça et qui me met en joie. Et qui nous met en joie, nous aussi, de recevoir ça. Et merci à toi de faire ça. Et merci à nous de recevoir ça. Et donc, merci à nous tous de continuer à propager cette expansion-là. Hop, pour... Exactement, l'expansion, la gratitude, mais c'est quand même génial, c'est quand même beau. Et puis après, on rayonne ça autour de nous. Non, mais c'est absolument superbe. C'est ça. Donc, guettez bien vos emails. Il y aura l'email avec le replay et il y aura l'email avec le lien que vous recevrez certainement dans la semaine, avec le lien vers l'accès aux soins gratuits d'Ivan, pour continuer justement à recevoir tout ça et à être dans cette gratitude de recevoir tout ça, cette abondance, voilà, cette lumière, ces soins de guérison absolument fabuleux. Donc, guettez bien vos mails. Hein, c'est un peu le... c'est le... Exactement, exactement. Ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt. Eh bien, écoute, Ivan, je crois qu'on va s'arrêter là. On pourrait bien évidemment parler de tout ça toute la soirée, mais voilà. Et puis, je crois qu'il faut aussi laisser le soin redescendre, parce que j'ai l'impression que ça a bien agi sur pas mal de gens. Donc maintenant, il faut que, voilà, peut-être que certaines personnes se reposent, aillent manger, ou en tout cas, voilà, laissent tout ça s'intégrer. Donc voilà, une fois de plus, vous recevrez le lien avec le replay, avec justement le lien pour vous inscrire aux soins gratuits d'Ivan. Et alors Ivan, moi je tiens vraiment à te remercier pour cette très belle conférence, ce soin magnifique. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été là ce soir. Vous aurez le replay évidemment donc dès demain, je crois, ou dès ce soir. Et Ivan, écoute, ben, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, c'est un mot de gratitude. Hein. Merci beaucoup à tous. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette conférence, à donner ce soin. En joie toujours de donner des soins et puis de sentir que bah, bon, moi aussi, il y a une expansion de mon côté aussi, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à toi, Muriel, pour ton animation toujours aussi géniale. J'ai toujours un grand plaisir d'animer, de faire mes conférences avec toi. Je mets au pluriel, c'était la deuxième. C'était, ouais, je trouve ça génial. Merci de ta présence.
Et voilà, merci à vous tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, n'oubliez pas, oui, un petit mot, j'ai pas oublié, mais enfin, que j'ai oublié plutôt, mais n'oubliez pas de boire un peu plus que d'habitude parce que le soin travaille et donc ça va vous aider de boire davantage. De l'eau, bien entendu. Oui, tu as raison de préciser. Alors, j'ai pas eu la bouteille de gin parce qu'il a dit qu'il fallait picoler. Non, de l'eau, on boit de l'eau. Et bien, ce sera le mot de la fin, à la vôtre. Buvez bien ce soir, passez tous une très belle soirée. Merci Ivan, merci à tous, merci au guide de lumière. Et vive tout ça, vive la lumière, vive l'expansion de conscience, vive Ivan, vive tout le monde. Merci, namasté, merci Muriel, au revoir. Au revoir merci à tous.